Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les grands titres. Installation du nouvel inspecteur général de la PNH dans le Grand Nord. L'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Frix Saint-Fort, a procédé lundi 24 janvier 2022 à l'installation de Moïse Jean à la tête du bureau régional du Grand Nord de l'inspection générale de la PNH. Monsieur Moïse remplace à ce poste Joanny Sénéris. Lors de la cérémonie, le nouvel inspecteur s'est engagé à travailler avec la PNH dans le respect de la Constitution et des lois haïtiennes. Deux personnes ont été tuées lundi matin d'un séisme de magnitude 5.3 qui a frappé le département des Nippes selon un premier bilan de la protection civile. Plusieurs blessés légers ont été enregistrés, 191 maisons sont détruites et 591 maisons endommagées. À Ansavo, Fond des Nègres et Petite Rivière, pas moins d'une trentaine de secousses sismiques ont été enregistrées ce lundi à Port-au-Prince, à Port-de-Paix, au Cap-Haïtien, à Jacmel, à Jérémy et au Caï. Le taux de référence de la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour le mardi 25 janvier 2022 est de 100,88 gourdes pour 1 dollar américain, selon les informations parvenues à la rédaction de Flash TV Haïti. En effet, le taux de référence publié par la Banque centrale en ce jour est calculé en fonction des transactions et opérations d'achat de dollars américains réalisées la veille sur le marché d'échange, souligne la BRH. Sur le plan international, le département d'État des États-Unis appelle les ressortissants américains à ne pas se rendre en République dominicaine en raison de la pandémie de COVID-19 et de la criminalité à laquelle fait face ce pays. Washington demande aux Américains qui décident malgré tout de visiter le pays voisin à se montrer très prudents. Ici pour faire ce bulletin d'information, caméraman Wilterson Lubin, à la réalisation Josmen Fleurant et pour la présentation toujours ton ami Erland Dorville. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.